À l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale des enseignants, le Bénin rend un vibrant hommage à tous ses enseignants. Réunis pour la cause à l'amphithéâtre de l'Université de Parakou, ces derniers venus de tous les quatre coins du Bénin ont commémoré l'événement comme il se doit. Enseignants de qualité dans le contexte de COVID-19, un défi pour les enseignants, c'est le thème retenu au plan national. Un thème qui appelle au mérite des enseignants en cette période de COVID, selon le ministre en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et porte-parole pour la circonstance de ses collègues en charge de l'enseignement maternel et primaire et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Si le gouvernement du président Patrice Talon a réussi cette prouesse de sauver nos années scolaires successives depuis 2020, malgré la pandémie de la COVID-19, c'est grâce à vous, chers enseignants. Et je ne pouvais manquer en cette solennelle journée du mardi 5 octobre 2021, journée de célébration de votre métier. Je ne pouvais manquer, disais-je, de vous exprimer la reconnaissance et la gratitude infinie du gouvernement pour la part active que vous avez prise en assurant l'accueil et l'encadrement de nos apprenants, des élèves, des écoliers, des étudiants dans nos centres de formation. Grâce à vous, le Bénin a traversé l'effervescence de la pandémie. Devant le parterre d'invités venus rehausser l'événement de leur présence, le porte-parole des organisations syndicales a exprimé ses gratitudes à l'endroit du gouvernement. En ce jour mémorable, il ne sera pas ingrat de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement. Et nous voudrions bien que le ministre soit notre porte-parole pour ses remerciements. Comme en de pareils moments, l'occasion est également saisie pour rendre hommage à quelques enseignants admis à la retraite. Des mains de différentes personnalités, les bénéficiaires ont reçu des lettres de félicitations. Il faut souligner que sur le plan international, cette journée est célébrée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ».